J'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans les premiers clips, de vivre la vie en rose. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que je regardais des vidéos de Rémi Park et elle fait beaucoup ces challenges de un jour une couleur pour la nourriture. Et je me suis dit, mais attends, mais si on rendait ça livresque, mais livresque, c'est trop facile. Genre, je prends un livre rose et puis c'est bon, la vie est belle. Moi, je me suis dit, mais si je m'habillais, j'écrivais, je lisais. Je mangeais rose. Vivons la vie en rose à 100%. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et donc, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu Love in Spades de Charlie Cochet. Parce que je voulais lire. C'est pas grave, tombe à ma bouba. Celui-ci. Et donc, voilà. Il est midi. L'intro, je la fais que maintenant, alors que je suis réveillée depuis 9h du matin. Mais c'est pas grave. Et donc, là. Vous aurez des clips de moi en train de manger de la nourriture et en train de faire de la nourriture. Mais sachez que j'ai déjà mangé. C'est ça, avoir un emploi du temps très, très, très intelligent. Bref, donc moi, ce que j'ai à faire là, c'est que petit déjeuner, n'est-ce pas? Réviser, lire. Là, j'ai fait un montage, du coup, vous avez pu voir, c'est que j'ai monté. Donc normalement, la vidéo... juste de mon vlog d'hier devrait sortir cet après-midi, cette vidéo je ne sais absolument pas quand, mais bref, on va faire ça, on va faire absolument ça, on va faire ça, sinon la nourriture était bonne, hein. De toute façon vous verrez ça après, vraiment la logique cette vidéo, je la sens la logique. Enfin bref, vivons la vie en rose, soyons heureux, soyons bien, soyons vivants et lisons Be Still My Heart. Reste calme mon cocolo. Enfin bref, je vais pas lire maintenant. Je vais réviser. Je vais réviser. Ah oui, je me suis fait un thé aux fruits rouges. Et il était bon. Mais ma mère m'a dit, et ton café? J'étais, je peux pas. Mon café. Bref, ça m'a réveillée, c'était chaud, ça m'a réveillée. Mais bref, voilà. D'ailleurs, je me suis habillée en rose. J'ai pas de vêtements d'été rose. Donc je suis actuellement en train de crever de chaud. Et donc je... suis par conséquent aussi rose que mon pull. Bref. On va faire un tentative du pancake rose. On va voir ce que ça va donner. Vous me croyez si je vous dis que je sais plus comment faire des pancakes? Je suis perdue. Du coup, je me suis dit, je vais utiliser ça. J'ai un truc avec les marques Carrefour. C'est les seules choses qui restaient maintenant. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de rose avec ça. Parce que j'ai pas envie de mettre de colorant. Mais ça, il y a du colorant dedans. C'est pas grave, on fait avec, on fait avec. Je vais essayer de trouver une technique pour ça. C'est pas rose. Pourtant, j'ai mis 3 cuillères. C'est pas grave. Ils sont marrons. Mais c'est pas grave, je gaspille pas la nourriture. Du coup, je vais le manger. Enfin, ah! Oups. C'est à peu près la même. On va dire que c'était rose. Aïe. Tentative ratée. C'est pas grave. C'était rose. C'était rose. C'était rose. Et donc, qui dit vivre la vie en rose, dit réviser en rose. Que vous m'avez suffisamment vu réviser, et vous savez à quoi je ressemble quand je révise, est-ce que ça nécessite un cul de montage? Je ne sais absolument pas. Cela étant dit, les pancakes étaient bons, pas roses, mais bon, ils étaient bons, hein, là là. Ils étaient bons. En plus, j'ai rajouté un peu de sorbet par-dessus parce que je ne mets pas de sucre. J'ai mis un petit peu de sorbet, c'était bon. C'était Cyril Lignac. Hein. C'était pas du tout Cyril Lignac, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, je vais réviser et je vais vraiment... C'est les mêmes couleurs. Oh, le train. C'est les mêmes roses. D'accord. Bref, je vais réviser.
A few moments later. Révision terminée. Maintenant, il est temps pour moi de commencer ce bébé. Du coup, c'est l'histoire de un des personnages principaux du premier volume, qui est Love in Spades. Et là, c'est du coup, ça traite de Red. Et en fait, le couple est déjà introduit dans le premier volume, ce qui est absolument génial. Et donc, bref, le couple est déjà introduit. Ils sont pas ensemble dans le premier volume, mais ils se tournent autour. Le problème est, c'est que Red va devoir protéger Lazarus. Et je crois, attends, ils vont aller sur Paris, non? Non. Non. Enfin bref, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le premier volume, Lazare a rompu avec son petit copain, qui est une saloperie de première classe, vraiment absolument dégueulasse. Et en fait, on a appris quelque chose sur Lazarus qui me fait vraiment de la peine. Il s'appelle Lazarus ou il s'appelle Lazare? Est-ce qu'il s'appelle Lazare ou Lazarus? Je vais l'appeler Lazarus. Il n'y a pas écrit. Ah si, Lazarus Galanos. Et donc il va devoir le protéger parce que le petit copain l'a menacé de choses graves. Et en plus il sait des choses sur Laz que, voilà, qu'il aimerait pas qu'on sache. Et donc Red va le protéger. Et ils sont juste trop mignons. Et ouais, déjà je les ai trop aimés dans le premier volume alors qu'ils étaient même pas en couple. Donc je sais que je vais aimer celui-ci. En plus, Charlie Cochet, elle est drôle. Elle est drôle. Enfin, ses livres, c'est pas comme si c'était genre de la littérature. Mais elle est drôle et j'aime beaucoup. Et enfin... un livre papier, parce que hier, un livre, franchement, papier, ça me... Pff, bref, on va faire ça et il faut que je trouve un truc à déjeuner qui soit rose. Je sais pas. Il n'y aura pas plus rose que ça. Je suis la seule à penser que la betterave a un goût de sang. Parce que vraiment... enfin bref, je suis en train de lire. Still be my heart. Be still my heart. Et je me récompense avec ça. C'est rouge. Mais c'est rose. Enfin bref. Même l'intérieur est rose. J'ai pas signé pour ça. J'ai horreur de la betterave. Mais bon, on fait avec. Si ça, c'est pas de la dédication, je ne m'appelle pas Iman. Enfin bref. J'aime trop. Enfin, j'avance très doucement. Parce que je ne lis pas. Mais pour l'instant, j'aime trop. Et du coup, ben, le couple du troisième volume est déjà introduit. Et il s'agit de Lucky et Mason. Et j'ai trop hâte. Et mon livre est aligné. Enfin bref, j'ai vraiment une tête... après ça va sécher Rose qui l'air. Mais bon. Je voulais mettre ça. Parce que c'est pas vraiment des corrections. Et vraiment, non mais c'est quoi cette passion? J'espère juste. J'espère juste que la couleur elle va pas rester. J'ai fait une petite pause de 20 minutes pour pouvoir publier une vidéo et parler. mais du coup là ce que je vais faire c'est que je vais retirer ce masque. En fait ce qui se passe c'est que j'aime trop mon visage avec mes masques parce qu'on voit pas mes défauts. Bref, j'en suis au chapitre 5. Je suis vraiment que au début. Mais là du coup je pense que je vais aller dans mon balcon. J'ai pendant une heure et demie je vais y aller le temps que... parce qu'en fait c'est pile poil le moment où le soleil tape sur mon balcon. Donc je vais y aller, je vais d'abord retirer ce masque. Je vais y aller. Est-ce que je mets un t-shirt? Parce que j'ai un t-shirt rose. Mais après, je vous montre pas. Parce que j'ai bien envie de bronzer, quoi. Bref, je vais d'abord retirer ça et commencer à relire ce truc. On va y arriver. Par contre... ouais, non. On va tenir, on va tenir. Allez. Et qui est naturellement aussi rouge que le masque? Moi. Bref. Pouf pouf, Ali, Baba, Dicastro, 2, 3, 1, 2, 3. On part avec cela. Bref. Bon, ça va. Est-ce que je n'ai absolument aucun style?
bien sûr. J'ai pas trouvé de t-shirt rose alors que j'en avais un. Est-ce que on dirait que je transpire? Oui, mais c'est 3 tonnes de crème hydratante. Merci beaucoup. Caramel. Enfin bref, pour dire, ce livre était tellement au soleil, parce que je suis restée au soleil à peu près une petite heure. Ils sont brûlés. Ah bref, sinon l'histoire est bien. L'histoire est très très bien. Il y a pas mal de passages qui sont drôles. Sauf que j'ai oublié mon marque-page, donc j'ai pas écrit. Et... on dirait pas une statue de cire. C'est parce que j'ai mis de la crème. Le secret pour bien bronzer. Crème hydratante. Crème hydratante, tu vois, au soleil. Tu as l'impression d'avoir sué. Mais en fait non, c'est la crème qui fond. Et bon, bref. J'ai pensé à regarder la différence. Porte ton challenge. C'est mieux en caméra. Hein. Parce qu'en vrai, tomate farcie, on point. Enfin bref, ma machine à laver est en PLS. Du coup, ça fait énormément de bruit. Je voulais filmer tout à l'heure, mais ça, c'était pas possible. Je vais peut-être revenir vers vous pour un petit snacks. Mais sinon, après, je vais finir le livre et le challenge sera terminé. Parce qu'en fait, je mange pas le soir. Et en fait, ce que j'aime pas... c'est que je bois, ben je me suis dit bon ben on va aussi boire rose, donc j'ai mis juste un tout petit peu, mais vraiment même pas de la grenadine, du jus grenade, et c'est sucré, je n'aime pas le sucré, depuis ce matin je mange sucré. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit ou je vous ai pas dit, j'achète des livres comme ça. En fait, j'étais en train de penser à un moment, il y a le personnage de Lucky qui dit « Es un montón de mierdas » ou un truc comme ça. Genre, c'est une montagne de merde. Genre, tu mens, arrête, assume. Et ben, j'étais là, j'étais « Mais c'est absolument moi !» Et puis, je me suis dit « Vas-y, je vais parler sur Instagram. » J'ai dit « C'est moi quand j'achète des livres. » Parce que je sais que quand je dis « Je vais pas en acheter beaucoup, je vais en acheter beaucoup. » Et en fait, ça m'a rappelé que hier, 5h du matin, je me suis réveillée pour faire ce que je fais habituellement à 5h du matin. Et je me suis retournée dormir une heure plus tard. Je me réveille à 9h du matin avec deux mails, un de Depository et un de Amazon, me disant « Mais que mes commandes ont été faites qui est-ce ?» Qui est-ce qui a acheté des livres dans sa plus grande fatigue à 5h du matin? 3 livres! 3 livres! Moi! Aïe, 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 vraiment, je me fatigue. Cela étant dit, hier, je pouvais pas trouver le premier volume sur Amazon, qui était possible d'être livré, et là, tout à l'heure, j'étais dessus, j'ai pu l'acheter. Mais ça veut dire que j'ai acheté 4 livres. Vous savez la liste de livres que j'ai acheté depuis le début du confinement? Une quarantaine. Quand je vais faire un haul de confinement, je vais le faire en 2 parties. S'il y a une fin de confinement. Bon, les amis, on va clôturer ça là. J'ai pris un gros coup de soleil. Je suis vraiment chaos, mais du coup le livre j'aime beaucoup et je pense que à peine j'aurai terminé, du coup dans même pas une heure, à peine j'aurai terminé que je lirai la suite, c'est sûr et certain. Mais bref, sinon ce challenge était assez drôle, j'ai bien aimé, ça m'a bien fait rire et j'ai vachement galéré. Le pire c'est que dans le wrap vous auriez... Pourquoi je me suis cassée la tête en fait à faire du rose dans le wrap? J'ai même fait une omelette rose pour vous dire. J'ai mis du jus de betterave dans le... Enfin bref, du coup, j'espère que ça vous aura un peu diverti et que vous aurez apprécié, un peu ce challenge. Pourquoi pas essayer? Et si vous essayez, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos sur Instagram. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait rire. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, ciao!